Alors que je mette tout ça en place, bonjour tout le monde! Pourquoi vous n'avez pas de jeu? C'est quoi ce bordel? Ah, attendez, je mets tout ça en place, c'est quoi cette histoire? Oh bah qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus le droit d'avoir de jeu! C'est ultra pro sur cette chaîne! Ah bah quand même! S'il te plaît le jeu, respecte-nous! Bonjour tout le monde quand même premièrement, bonjour tout le monde, bienvenue sur le stream. Pour ceux qui nous rejoindraient, bienvenue à tout le monde. J'ai 20 minutes pour tuer le temps. Et je me suis dit, un petit cupette, ça fait tellement longtemps. Allez, je sais tellement plus comment ça se joue. Je sais tellement plus rien. Je peux courir. Je peux faire des choses dans ce jeu. Ah, il y a des modes. Il y avait facile avant, ça existait déjà. J'ai un doute. J'ai un gros doute. J'espère que le jeu n'est pas trop fort au niveau du son. Hop, 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 hop. Ah, il va falloir vraiment que je rapprenne. J'ai peur que le jeu soit un peu fort. Voilà. Oula! Ok. J'ai raté, c'est pas grave. Ouais, je ne l'ai jamais battu, je sais. Wow. Oh! Et ça commence direct. Paf. Ok, il faut que je lui défonce l'œil. C'est un jeu qui se fait pas en première fois. J'ai jamais été très bon à Cuphead. D'un côté, j'ai très peu joué, mais par contre, il est tellement beau, il faut dire ce qui est. Hop. Hop. Je crois qu'il y a des esquives normalement. Je sais plus comment on fait les esquives. Il faut vraiment que je rappelle. Non, c'est pas ça. C'est pas. Oh, c'est pas ça non plus. C'est ça. Ok. C'est bon, j'ai les esquives. J'ai gaspillé par contre mes gros shoots inutilement. Attendez. Comme ça, ok. Ouf. C'est pas forcément les meilleurs jeux pour les lives parce que. Ouais, mais c'est en facile, c'est pour ça. Mais est-ce qu'il est réellement beaucoup plus facile? Je sais pas trop. Ouais, score D, c'est nul. J'ai combien de temps? Je suis être l'heure parce qu'en fait, il faut que je retourne au travail moi juste après. On va le tester en normal. Ce que ça vaut. S'il y a vraiment une grosse différence. Que là, c'était très simple, je trouvais personnellement. Ok, jusque là tout est ok. Oh putain, je l'avais pas vu ça. Mais il fallait pas nous faire ça aussi. Alors non, on peut faire des choses normalement sur les roses, mais je sais plus ce qu'on peut faire. Je veux dire, on peut faire des choses sur les boules roses, et je crois qu'on peut rebondir dessus ou un truc dans le genre. Et il y a... Ah! J'essaie de trouver de nous rappeler des boutons, ce qui est un peu compliqué pendant que je joue. C'était peut-être pas la meilleure idée du siècle de jouer en même temps que je. Il y a bien une touche pour que je puisse tirer sans me déplacer. Je suis vraiment naze. Allez, c'était pas l'objectif. Mon but c'était juste pour voir. Attendez, hop, retour à la carte. C'était juste pour voir, c'était pour savoir. Lui c'est un voleur de thunes, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Normal, hein, bien sûr. Mais y'a que des boss, hein. Y a pas des niveaux par moment? Eux je m'en souviens, je sais qu'ils sont super durs. Ça je m'en rappelle, je m'en rappelle, mais c'est pas des bons souvenirs. C'est pas... Y a, le traumatisme il est là. Je sais que je peux faire des choses avec le... Oula. Je peux faire des choses avec les roses et je crois que ça me redonne des PV, il y a une connerie dans le genre. Je sens pas du tout ça. Oh, oh là, les deux. Tout se passe très bien. Tout se passe moyennement. Qu'est-ce qu'il va me faire? Vous sentez ou pas l'angoisse quand je joue? Ah, il y a un truc à faire là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, c'était ça, voilà. Je peux faire un double saut dessus. Faut vraiment que je me rappelle. Hop. C'est les jeux où en fait tu ne regardes pas ton adversaire, tu regardes juste où tu mets les pieds. Oh là, j'ai pas fait gaffe, voilà, j'étais pas dedans.
Je n'étais pas dedans. Et, je le tue réellement ou pas? J'ai pas l'impression de faire grand chose au niveau des dégâts. Est-ce que je lui fais... Ouais, si, là, idiot. Quand il est comme ça, là, je lui fais des dégâts. Là, je lui fais rien, par contre. Ok. Hop, c'est bon. Quel sera de mon ennemi? Encore les serpents? Bah, c'est toujours pareil, en fait. Faut juste bien... Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Eh ben, ça se passe super bien. Je sais pas ce qui se passe. Moi qui avais tant de mal sur ce jeu, mais c'est pas les niveaux les plus durs pour l'instant, ces boss-là, j'ai l'impression. Ok, let's go. Qui es-tu, toi? Allez-vous-en! Ok, bah je me casse. C'est bon. Ouais, me parle pas. Tu veux que je m'en aille? Je m'en vais, moi. Mausolée. Ready. Vous êtes sérieux? Je vais faire quoi, là? Hop. Je sais pas si ça l'aide, mais en tout cas, moi je le fais. Par contre, je suis obligé de les tuer comme ça. Alors j'aimerais qu'il faut pas qu'il touche l'urne, si je me trompe pas, ça doit être ça. Ouh. Voilà. Ratez. J'étais si proche, j'arrivais plus à la toucher, c'était nul. Qu'est-ce que le jeu il est beau par contre, je me rappelle de la claque à l'époque où il est sorti. Ça a pas changé, pour moi c'est toujours la claque ce jeu. Par contre il touche une fois je meurs. Oula. Voilà, c'est ça qui me... C'est ça qui m'inquiète, c'est quand je rate le temps que je revienne, c'est compliqué. Il vaut mieux attendre qu'il soit un peu plus proche. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Hop là. Tu fais quoi? Je me dis qu'il y en a un qui arrive comme une brute d'un seul coup. Voilà, genre lui là. Hop là, tu fais quoi? Oula, bêtise de ma part qui pourrait me coûter très cher. Qu'est-ce que j'ai gagné? Oh! Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir sauvé. Mais je suis une impolitesse, je ne me suis même pas présenté. On m'appelle le Kalis, le légendaire Kalis enchanté. J'étais en quête de magie quand ces fantômes m'ont capturé. En parlant de magie, acceptez ce présent, il devrait vous aider. Il y a d'autres mausolées sur l'île Aquarelle. Je me demande si par hasard vous seriez capable d'assimiler toutes les magies. Un nouveau super. Bonté divine, n'oubliez pas de vous équiper des super pouvoirs dans le menu avant de l'utiliser. Kalis, où est-ce que c'est? Bah c'est parce que j'ai déjà ça. Bah si. Liste. Bah. Ah super. Super pouvoir, rayon d'énergie, puissante attaque horizontale issue de votre tête. Au sol ou en l'air. Bah let's go, je sais pas, on va le découvrir par nous-mêmes. En fait, il y a que des boss ou il y a des niveaux au bout d'un moment? Il y a que des boss? Alors toi, on va pas être pote, toi, moi. Toi, on va pas être toi et moi, on va pas être pote. On va pas être pote du tout! Oh la vache! Oh là, je n'arrive pas à l'esquive! M'énerve! Voilà, s'il te plaît, reste à distance de moi. Hop! Je me suis jeté dessus. Je me suis. Clairement jeté dessus. Allez-y, je restais. Si proche et pourtant si loin. Je suis pas mal là en fait. Je suis très bien calé. Je suis super bien calé en fait là. Regardez, hop. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Oh d'accord, j'ai tout esquivé. Oula. Oh bah c'était sûr là. Ah mais j'ai tout tiré à côté, merci. J'essaie de trouver les super ou les pas super. Ah c'est ok, il faut juste que je me baisse. Bon là je me suis... Ah bah quand même. J'ai peur de ce qu'il va me faire. C'est gagné, c'est perdu, c'est perdu, c'est gagné, c'est perdu. J'ai rien compris. Retour à la carte. Je veux voir plusieurs choses et j'ai pas beaucoup de temps donc on va regarder plusieurs choses. Je pensais qu'il y avait quand même des niveaux par moment et... J'allais le tuer.
Didacticiel, ouais, lui il va me parler, mais je veux pas didacticiel. Oui, par toute la route. Tous les débiteurs de cette île. Donc il faut que je batte tous les boss. Mais je pensais qu'il y avait des petits niveaux quand même. Des petits affrontements, quelque chose. Et il faut juste que je batte tous les boss. C'est tout. Donc il m'en resterait un à vaincre. Le shop, pour l'instant, j'avais pas besoin. Donc en fait, il me resterait lui à vaincre, c'est tout. Allez. Mais je vois, il y avait du facile avant, j'ai un doute. Je me rappelle pas qu'il y avait un mode facile. Pourtant, maintenant qu'on sait comment te. On sait toujours pas comment te vaincre. Oui, moi aussi je suis inquiet. Voilà. Parfait. Je crois qu'il y a moyen d'être beaucoup plus optique que ça. Ah, j'espère que ça passe. Qu'est-ce que le jeu est beau, c'est quand même. Je peux te dire que c'est la claque. Par contre, là, je le sens pas du tout, disons clairement. J'ai plus qu'un seul point de vie. Ah, ça l'a pas touché. Ah, je suis en plein dessus. C'est mort. Je l'ai vu venir de très très loin que c'était mort. Il y avait aucun avenir pour moi. Ah, oh là là, mais à chaque fois, je me fais avoir par ce premier saut. Il y a vraiment moyen de pas se faire toucher sur cette zone-là, mais. Mais il faut être juste plus fort que moi. J'ai limite envie de me suicider pour recommencer, voilà. Très bien. J'aimerais bien réussir à être synchro avec lui. Oh alors voilà, je suis vraiment mauvais, on recommence direct. Vous êtes pas venu pour ça, mais c'est ce que vous allez avoir, hein, des morts en boucle. Oh, oh là là, non mais quel nul. Le faire avoir aussi bêtement. Mais on y croit, c'est bon, c'est bon. C'est là pas la bonne. Et des fois il rebondit, des fois il rebondit pas contre le bord. En fait il faudrait que je joue différemment. Il me faudrait un. Oh voilà. Mon. Je devrais jouer avec un. Je trouve plus mon stick arcade. Je devrais essayer de brancher mon stick arcade. Là, pour la prochaine, ça peut être assez cool de le faire. Parce que pour moi c'est du shoot 'em up, hein, donc ça. Il faut jouer au stick arcade, hein, c'est là que c'est le plus agréable. Voilà, allez. Quand je place mes boutons un peu comme un stick, ça va tout de suite mieux. On sait jamais comment ils vont de vie réellement. C'est salaud parce qu'il a, autant des petits sauts que des sauts courts que des sauts longs. Voilà, ça, bon, ça se fait bien là, ça se fait bien. Hop là. Je l'ai senti me frôler la fesse. Hop 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 hop. Oui, bon, c'est bon, je vais faire ça. Je connais tout ça. Je commence à connaître tes patterns, mon coco. Ok, là on est bon. Oh, il m'a eu quand même. Je sais pas si ça arrête automatiquement. Je pensais pouvoir toucher au bout d'un moment ou je peux le toucher ou comment ça se passe? Ah, il faut que je tire en l'air, d'accord. Oh là là. Mais c'était super chaud en fait la fin là. Je suis même pas sûr qu'on aura le temps de le finir tellement que j'ai pas de temps avant d'aller au travail. C'est vraiment histoire de faire un live parce que j'avais envie d'en faire un. Hop les mon coco. Oh, je me suis jeté sur lui. A mon avis, si je joue en facile, je dois pas avoir cette phase là, je pense. Oh, je suis vraiment mauvais. Mais je pense que je dois pas avoir cette phase. Boum, tiens, prends-toi ça. Oh! Je me suis trompé de touche. Je voulais lui tirer dessus et j'ai fait un dash. Quel abruti. Oh, mais bah, je suis vraiment débile! Je dash au de faire les esquives. Ouf. Je l'ai vu passer celle-ci. Je l'ai vu passer. Oh, il a fait un petit piège bien placé. Allez, petite myrtille. Ok, là on est bon. Là. Je le sens bien. Boum. Oh!
Salopard, ce coup-ci, il a rebondi. C'est vraiment un peu aléatoire des fois les rebonds. Oh, voilà, j'ai tout raté. J'étais très bien parti et j'ai tout raté sur la fin. Quel dommage. Ok, je voulais juste savoir ce que ça faisait, mais c'était très mauvaise de ma part. Faut vraiment que j'y aille. Non! Ah, une erreur de touche! Une erreur de touche! En fait, le plus énervant dans ces jeux-là, c'est le fait de devoir repasser par ces phases-là. Que tu voudrais directement aller à la phase finale et pas avoir à tout retaper. Mais non, le jeu il est pensé comme ça, mon coco, tu vas le faire. Bah oui, hein. Tu vas te retaper la myrtille qui saute. Ah, j'ai plus qu'un PV, c'est mort. Ça sent pas bon du tout pour moi. Faut juste pas que je tombe de touche. Et pas que je me fasse avoir dans son mouvement. Voilà, il vaut mieux que je sois à l'inverse de lui. Comme ça, je suis sûr de pas me faire toucher. Hop, regardez. Voilà, à chaque fois qu'il va faire ça, bah en fait, vu que je suis à l'inverse de lui, par contre, si on est dans le même mouvement, c'est compliqué. Mais normalement, en restant comme ça, je devrais pouvoir me le faire assez facilement. Bon, j'ai dit ça, mais j'ai pas eu me faire avoir. J'ai encore failli me faire avoir. J'avoue pas être serein. C'est une méthode qui a l'air de fonctionner pour l'instant, donc on va continuer. Allez, parce que j'aimerais bien finir au moins sur ça, histoire de dire qu'on a passé cette zone. Ouf! Ouf! La fin est proche! Il s'excite! Il s'énerve! Il accélère ses patterns! Il accélère! Il accélère! Il m'en veut! Il veut qu'on en finisse! Un petit peu de lumière peut-être? Ça peut être bien pour vous, non? Oh. Ça a commencé bien. Au moins c'est fait. Ouais, record C, je m'en fous franchement. Et normalement, est-ce que j'ai fait... Eh bah tout va bien. Victor Visqueux. Tout va pour le mieux. Qui es-tu toi? Alors, le bouton de touche. Pardon, vous voulez piloter un avion comme moi? Il faut étudier les plans avant de toucher le manche à balai. Ça va, Harry Potter? Clairement, j'ai pas le temps. Donc, on va s'arrêter ici, parce que je n'ai clairement pas le temps. Il faut que j'aille travailler. Eh ben, c'était un micro live. C'est vraiment histoire d'en faire un, de partager ce jeu. Voilà, surtout parce que c'est un jeu qui était assez rapide à faire. J'ai un autre petit jeu que j'aimerais bien revenir, que j'avais fait sur la chaîne au tout début de ma chaîne. Si vous connaissez pas la chaîne, allez voir, elle est en lien du Twitch. Sinon c'est TGD Thomas, vous tapez hein, TGD Thomas, c'est Thomas Gaming et Découverte. Et c'était un vieux jeu que j'avais fait, il s'appelait Akane. Et j'aimerais bien le faire un jour en stream, parce que c'est tout bête, ça joue tout à la souris. Mais j'avais fait un petit truc à l'époque et je pense que mon niveau s'est bien amélioré depuis. Donc ça pourrait être assez cool de le faire. En tout cas, on se retrouve pour un prochain stream, je sais pas quand. Sinon vous aurez peut-être Miho qui va venir faire du stream. C'est la chaîne. Alors, en tout cas, pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous dis bienvenue. Merci de vous abonner à la chaîne pour rien rater. Et puis, partagez-la, ce serait génial. Allez, à la prochaine. Passez une bonne journée. Salut!